BFM Business présente Business Quiz avec Jérôme Tichit. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce quiz du mercredi 25 juillet, les 19h07-08. Maintenant, on est même en direct donc sur BFM Business, comme tous les jours, tous les après-midi à 14h et tous les soirs à 19h, pour une double dose de quiz. Vous êtes particulièrement nombreux à jouer ce soir, j'ai le chiffre sous les yeux, vous êtes un peu plus que d'habitude, donc c'est bon signe, ce quiz est en train de vous conquérir et c'est tant mieux. Donc tous les jours, je disais, deux rendez-vous jusqu'à ce vendredi. À 14h, on joue sur l'actualité économique du jour ou sur l'histoire de l'économie avec Guillaume Paul ou avec Frédéric Simotel. C'était Frédéric en ce début d'après-midi. Et moi, je vous retrouve tous les soirs donc à 19h pour parler d'une thématique consacrée ce soir, plus précisément au cinéma. Donc, on va parler de l'argent du cinéma, du business du cinéma, les chiffres clés du cinéma. C'est ce soir, donc, au cours de ces deux manches qui vont avoir lieu dans quelques instants. Deux manches au cours desquelles vous pouvez, pour chacune des manches, remporter 500 euros. En fait, 10 gagnants à 50 euros lors de chaque quart d'heure. C'est une série de 7 questions qui vous est posée. Vous y répondez en direct sur vos tablettes et smartphones. C'est donc parti pour cette première manche consacrée au cinéma. Voici donc la première manche. On commence par une question plutôt facile de vocabulaire. Comment appelle-t-on les plus grosses sociétés de production de cinéma aux États-Unis ? Est-ce qu'il s'agit des networks, des blockbusters, des majors ou des tycoons ? Les networks, les blockbusters, les majors ou les tycoons, comment on appelle les sociétés de production de cinéma américaines ? Vous votez donc sur vos tablettes pour cette première, et smartphone bien sûr, pour cette première question. La bonne réponse, elle s'affiche dans un instant, c'est bien sûr les majors. Elles sont au nombre actuellement de 6, on les appelle les Big Six. Il y a eu l'époque des Big Eight, des Big Five, maintenant ce sont les Big Six. Alors il y a News Corp qui fait partie du groupe de presse Murdoch, c'est le même groupe que la Century Fox. Il y a aussi Viacom, groupe de médias qui possède Paramount. Il y a Sony Pictures qui possède également MGM et United Artists. Il y a également Time Warner, NBC Universal et bien sûr Disney. C'est la plus importante avec environ un quart du marché du cinéma nord-américain. Les films américains qui en 2017 ont représenté près d'un film sur deux en France en nombre d'entrées en salle, 48,8% de part de marché. Et parmi les grosses sorties américaines du jour, il y a bien sûr Mamma Mia, la suite ce soir, et c'est produit par Universal Pictures. On jette un œil sur les bonnes réponses. Bravo à Seb03, c'est le plus rapide sur cette question numéro 1. Et vous êtes 45% donc à avoir voté pour la bonne réponse. Je pensais qu'elle était facile. En fait, 45% également ont voté pour Blockbuster. Donc là, les Blockbusters, ce sont les films eux-mêmes, les grosses productions, type Jurassic Park, entre autres. Mais là, donc, les majors, ce sont bien les compagnies qui produisent ces films. Donc, plus de mauvaises réponses que je ne l'imaginais. Mais en tout cas, vous allez vous rattraper, j'en suis sûr, sur la question numéro 2. La voici, toujours sur l'univers du cinéma. Comment s'appelle la personne qui est responsable du budget sur le tournage d'un film ? Est-ce qu'on l'appelle le régisseur, le directeur de production, le chef opérateur ou l'étalonneur ? Comment appelle-t-on la personne donc responsable du budget sur le tournage d'un film ? C'est très important, bien sûr, de contenir ce budget. Et la bonne réponse, elle va apparaître à l'instant, c'est bien sûr le directeur de production, le DIRPROD, comme l'on dit. C'est lui qui assume donc les responsabilités de la préparation, de la gestion budgétaire et du bon déroulement d'une production. Alors ça va de la phase de pré-production jusqu'à la fin des prises de vue et même jusqu'à la livraison du film. Quant au régisseur, c'était une autre réponse, eh bien, il est plus dans la logistique du quotidien. Il veille par exemple au confort de chacun sur le tournage, il réserve l'hôtel, le restaurant, il va chercher les comédiens, il les accueille, il gère les relations avec les municipalités pour les autorisations de tournage. Donc c'est lui qui est plus vraiment dans la logistique. Le chef opérateur, le chef op, comme on dit, c'est la personne en charge des lumières, de l'éclairage. Et puis l'étalonneur, c'est celui qui, sur une vidéo, modifie un petit peu les couleurs et la luminosité pour donner au film ce qu'on appelle la colorimétrie souhaitée par son réalisateur. Bravo à Mathéus qui a été le plus rapide sur cette question. Et on passe, si vous le voulez bien, juste un point sur les statistiques. Voilà, 66% de bonnes réponses. Donc, 2/3 d'entre vous ont trouvé la bonne réponse. 32% ont pensé donc au régisseur, mais lui ne s'occupe pas vraiment du budget, mais plutôt donc de la partie opérationnelle, exécutive, par rapport à un budget qui lui a été, bien sûr, alloué par le directeur de production. La question numéro 3 sur le cinéma, toujours ce soir. Comment s'appellent les sociétés qui financent la production cinématographique ? Alors, est-ce qu'on les appelle les rédacteurs se sont un peu amusés, les Sofica, les Silvica, les Virginica ou les Natalica, comment s'appellent ces sociétés qui financent la production cinématographique. Vous votez pour cette troisième question de la première manche. Et la bonne réponse,
Il s'agit des SOFICA. Alors SOFICA, c'est un acronyme, ça veut dire Société de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel. Elles ont été créées en France en 1985 à l'initiative des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, mais aussi du secteur bancaire et financier. Et elles collectent des fonds privés pour financer la production cinématographique et audiovisuelle. Alors investir dans le cinéma français donc via une SOFICA, eh bien, c'est très intéressant fiscalement. Ça permet de profiter d'une réduction d'impôts particulièrement attractive, jusqu'à 48% des montants investis, avec une limite de 18 000 euros et de 25% du revenu net global. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'investir dans le cinéma. Peut-être vous pourrez le faire dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Vous avez été 78% à bien répondre, et notamment Axel qui a été le plus rapide sur cette troisième question consacrée au business du cinéma. La quatrième question, la voici. On retourne aux États-Unis. Quelle compagnie de production de films n'appartient pas au groupe Walt Disney Studios? Est-ce qu'il s'agit de Pixar Animation, de DreamWorks Pictures, de Marvel Studios ou de Lucasfilm? Quelle est la compagnie qui ne fait pas partie donc du groupe Walt Disney Studios, Pixar, DreamWorks, Marvel ou Lucasfilm? Mais la bonne réponse, c'est DreamWorks, bien sûr, qui est indépendant par rapport à Disney. Disney, c'est un géant, on le disait, de la production du cinéma américain, plus du divertissement. Disney, je le disais, c'est 25% de part de marché donc, au cinéma canadien et américain. Disney, ce sont des succès d'animation tels que La Reine des Neiges, Ratatouille ou encore Lao, depuis le rachat de Pixar. Elle détient également le groupe Disney ESPN, Lucasfilm ou encore Marvel, et des droits de diffusion de compétitions sportives. Et puis aussi, depuis peu, donc Disney, enfin, dans quelques temps, va acquérir la Century Fox, puisqu'il y a eu un combat entre Disney et Comcast pour acquérir cette société de production. Eh bien, c'est Disney qui l'a emporté, puisqu'il y a quelques semaines, quelques jours à peine, le groupe Comcast jetait l'éponge. Et au final, les enchères pour acheter la Century Fox sont montées à plus de 71 milliards de dollars. Mais c'est donc Disney qui va un peu plus encore étendre son empire. On félicite Inès qui fait partie des 58% de bonnes réponses. Elle a été la plus rapide. Et donc 42% de personnes n'ont pas bien répondu à cette question 4. Beaucoup de dégâts, plus que je ne l'imaginais également sur cette question sur le cinéma américain. La question numéro 5. Et on revient en France. Combien de temps après la sortie en salle un film peut-il être diffusé sur une chaîne payante? Est-ce qu'il faut attendre 4 mois, 10 mois, 15 mois ou 24 mois? Combien de temps donc entre la sortie en salle d'un film et la diffusion sur une chaîne payante? 4 mois, 10 mois, 15 mois ou 24 mois? Et la bonne réponse, eh bien, c'est 10 mois. Oui, c'est un peu long. C'est ce qu'on appelle la chronologie des médias. Alors, le film sort d'abord en salle, puis en DVD ou en VOD 4 mois après. Ensuite, sur une chaîne de télévision payante, donc 10 mois après la sortie en salle. Et ensuite, il faut de 22 à 30 mois, donc presque 2 ans et demi parfois, pour une diffusion sur une télévision en clair. Les choses sont en train de changer parce qu'évidemment, tout va plus vite qu'avant. Ces textes ont quelques années. Et la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a repris le dossier en main au mois d'avril, alors que les choses s'enlisaient. Elle a déclaré, je cite, la chronologie des médias n'est plus adaptée. Elle est décalée par rapport aux usages. Et les médias qui, par ailleurs, réclament des évolutions dans la législation, notamment la possibilité de diffuser des films en semaine, alors que c'est interdit, par exemple, de diffuser des films sur une chaîne de télévision gratuite le mercredi, le vendredi et le samedi. Vous savez que ça semble un peu daté en 2018. On félicite Seb03 qui fait partie des 42% de bonnes réponses. La question 6, la voici toujours sur le cinéma et le business du cinéma. Quelle est la part de marché des films français en France en 2017, selon les chiffres donc du CNC, 32,4%, 37,4%, 42,4% ou 47,4%. Vous votez donc sur la part de marché des films français en France l'année dernière. Et la bonne réponse, elle s'affiche. Il s'agit de 37,4%, une part de marché qui est en hausse constante depuis 3 ans. Alors, ça représente donc de grosses entrées, notamment pour Red Dingue. C'est le film français qui a le mieux marché en France en 2017. 4,6 millions d'entrées pour le film de Danny Boone. Ensuite, le film de Luc Besson, Valérian, 4 millions. La très bonne comédie, un peu potage, mais on aime bien, Alibi.com de Philippe Lachaud, 3,6 millions. Le sens de la fête, très bon film également avec Jean-Pierre Bacri, signé Eric Toledano, 3 millions. Et puis, Au revoir là-haut de Albert Dupontel, 1,9 million. Donc, au total, plus de 37% de part de marché
pour les films français en France est une très bonne nouvelle. Bonne nouvelle également pour Philippe, il a été le plus rapide et seulement 24% de bonnes réponses, donc trois quarts des votants se sont trompés. Voici une question qui a fait beaucoup de dégâts parmi les participants. On termine avec la question 7. On reste en France et pour conserver leur régime, les intermittents du spectacle doivent justifier de combien d'heures de travail? 152 heures par mois, 410 heures par an, 507 heures par an ou 707 heures par an? Combien donc d'heures à faire pour les intermittents du spectacle en France pour conserver leur droit et avoir les allocations chômage? La bonne réponse, c'est 507 heures. Quand on travaille dans ce secteur, on entend souvent parler des 507 heures à atteindre. Donc, et ça permet d'avoir ce qu'on appelle l'ARE, allocation de retour à l'emploi. On estime, ce sont les derniers chiffres officiels, qu'en 2016, il y avait plus de 250 000 intermittents du spectacle en France qui donc travaillent dans le spectacle vivant, le cinéma ou l'audiovisuel. Les statistiques, rapidement, on regarde Gabi, 1933 est le plus rapide. Il y a eu 43% de bonnes réponses, donc là aussi pas mal d'échecs sur cette question numéro 7, questionnaire plus difficile que l'on ne pensait peut-être sur le business du cinéma. En tout cas, 10 d'entre vous viennent de remporter la somme de 50 euros. 500 euros ont été distribués et je vous donne les noms. Il s'agit de Hansel, de Seb03, de Phil Collins, je pense que c'est pas le vrai, c'est un pseudo. Cyril, Axel, Philippe, Gabi, 1933, Laurent, Victoria et Caroline. Bravo donc à tous les 10. Vous venez de remporter 50 euros, 500 euros qui étaient en jeu pour cette première manche du Business Quiz consacré à l'argent, à l'économie, au business du cinéma. Eh bien, si vous avez aimé cette première manche, vous adorerez la seconde. On se retrouve dans quelques instants pour un deuxième questionnaire, une deuxième manche du Business Quiz. À tout de suite. Pour défier la rédaction de BFM Business sur des questions d'économie, téléchargez l'application BFM Business. Inscrivez-vous à Business Quiz pour jouer en direct depuis votre mobile. Prochaine partie dans 2 minutes. 1,09€ la partie, règlement et modalités de remboursement sur bfmbusiness.com. Tout l'été sur BFM Business, revivez la 13e saison de BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise. Redécouvrez comment ont été sélectionnés les 12 participants lors des castings à Saint-Étienne, Montpellier, Bordeaux, Brest et Paris. Revivez le choix des coachs lors des émissions éliminatoires, les séances de coaching pour faire progresser les jeunes entrepreneurs jusqu'à la grande finale en public au Studio Gabriel. BFM Academy, présenté par Nicolas Dose, les samedis à 13h et 21h et les dimanches à 7h et 15h sur BFM Business. Si vous souhaitez participer à la prochaine saison de BFM Academy, inscrivez-vous dès maintenant sur bfmacademy.fr. Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. À Angers, 107.2. Les planètes sont en train de s'aligner. Il y a une nécessité de se transformer, d'entrer dans cette ère digitale qui devient de plus en plus pressante pour les entreprises. Ça tombe bien, elles ont des marges de manœuvre pour investir et donc enclencher des transformations de très grande ampleur. Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur bfmbusiness.com. Depuis longtemps, nous avons des politiques qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Et donc aujourd'hui, on a une image qui, effectivement, au moins dans les sièges internationaux de grands groupes, est en train de se redorer, ce qui laisse présager d'investissement, donc d'emploi pour le futur. BFM Business à Lille. 96.4. Sachez que l'interprétation que l'on a de la situation repose aussi sur votre propre responsabilité. Vous n'êtes pas uniquement dans cette affaire victime d'une situation économique, vous êtes aussi responsable. On en revient à cette idée de responsabilisation individuelle dans le champ économique. Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio. À Lyon, 95.3. BFM Business, la radio de l'info économique et financière. Tous les jours sur BFM Business, 2 heures de conseils pour optimiser votre épargne. Dès 10h, l'émission 100% placement donne la parole aux gérants et aux conseillers en patrimoine. Immobilier, assurance vie, sélection de valeurs, fiscalité, toutes les infos pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Posez vos questions sur bfmbusiness.com et à 11h35, les professionnels vous répondent. Intégral placement avec Cédric Decoeur et Guillaume Sommerer, tous les jours, 10h midi sur BFM Business. BFM Business présente Business Quiz avec Jérôme Tichit. Et toujours en direct, toujours sur BFM Business pour la deuxième manche de ce Business Quiz consacré à l'économie et au business donc, du cinéma. Cette question vous être posée pendant un quart d'heure encore, c'est la deuxième manche. Et une nouvelle fois, donc, il y aura 500 euros en jeu, 10 fois 50 euros. Pour vous inscrire, vous le savez, vous téléchargez soit l'appli BFM Business, soit l'appli de notre partenaire BeTheOne. Et là, donc, on vous explique tout pour participer. Un badge d'accès pour une seule partie, ça coûte maximum 1,09€. Ça peut être moins si vous les achetez groupés.
Et évidemment, comme je dis tous les soirs, le jeu en vaut la chandelle puisque vous avez la possibilité de remporter 50 euros sur chacune de nos manches. Alors si vous êtes prêts, eh bien voici la deuxième manche de ce Business Quiz consacré au cinéma. On va parler box-office une nouvelle fois avec cette première question de la deuxième manche. Quel film américain détient le record d'entrée en France? Est-ce qu'il s'agit de La Guerre des Étoiles, de E.T., de Titanic ou des Indestructibles? Quel est le film américain qui détient le record d'entrée actuellement en France? Guerre des Étoiles, E.T., Titanic ou Indestructibles? Je vous laisse voter les résultats dans un instant sur votre écran. Le résultat, vous le connaissez sans doute, il s'agit de Titanic, bien sûr, le célèbre film de James Cameron qui vient de fêter ses 20 ans il y a quelques mois, sorti en 97. Énorme succès donc au niveau mondial avec même le deuxième plus gros succès de l'histoire du cinéma dans tout le monde après Avatar, autre film d'ailleurs de James Cameron. Alors côté français, donc c'est 20 634 000 entrées précisément. Il devance dans l'ordre Bienvenue chez les Ch'tis, puis Intouchable, Blanche-Neige et les Sept Nains et La Grande Vadrouille donc, qui complète ce top 5 des films qui ont le mieux marché en France depuis l'histoire du cinéma. Donc un énorme succès, gros succès aussi à chaque fois qu'il passe en télévision, gros succès d'audience. Les résultats donc de cette première question de la deuxième manche, évidemment 85% de bonnes réponses, la question était plutôt facile et on félicite Polymath qui a été le plus rapide à répondre. On passe sans plus tarder à la question numéro 2. Quel publicitaire a été un pionnier de la publicité au cinéma dans les années 1920? Est-ce qu'il s'agit de Jean Mineur, de Marcel Blusten-Blanchet, de Jacques Douce ou de Jacques Séguéla? Quel est le publicitaire qui a été un pionnier de la pub donc au cinéma dans les années 1920, presque un siècle maintenant? La bonne réponse, vous êtes en train de voter, la bonne réponse va s'afficher dans un instant. Il s'agit de Jean Mineur. Jean Mineur, c'est ce petit bonhomme que l'on retrouve encore, même en 2018, encore donc dans les salles de cinéma, notamment chez Gaumont. Alors dans les années 20, donc Jean Mineur, parce que c'est une vraie personne, convainc les annonceurs de s'essayer au support cinématographique. Et puis, de fil en aiguille, tout cela fonctionne. Et il se trouve une mascotte, c'est ce fameux Mineur, donc pour rappeler à la fois son nom de famille, mais aussi son origine du Nord. Et il est donc toujours d'actualité, je vous le disais, associé depuis 50 ans maintenant à la marque Mediavision. Jean Mineur, quant à lui, est décédé en 1985 et dans une ville très associée au cinéma, c'est à Cannes. Parmi les autres réponses, il y avait Jacques Séguéla, c'est un autre grand publicitaire qui lui avait été associé à la campagne de François Mitterrand en 1981. C'était lui le slogan « La force tranquille ». Il y a aussi parmi les réponses suggérées Marcel Blusten-Blanchet, grand publicitaire lui aussi, qui est à l'origine de l'agence Publicis, une des premières dans le monde, désormais agence française. Polymath, une nouvelle fois, a été le plus rapide. On le félicite pour cette deuxième question. La troisième question, la voici. Quelle actrice française est la petite fille du président de Pathé? Est-ce qu'il s'agit de Léa Drucker, de Marie-Lou Berry, de Laura Smet ou de Léa Seydoux? Comment s'appelle la petite fille de l'actuel président du groupe Pathé? Je vous laisse voter pour cette bonne réponse. Et il s'agit, c'est une Léa, allez, je vous donne une petite indication. Et la bonne réponse, c'est Léa Seydoux. C'est donc la fille de Valérie Schlumberger et d'Henri Seydoux, le PDG de Parrot. Elle est donc la petite fille de Jérôme Seydoux, le président de Pathé. Lui-même, ce dernier, c'est le frère de Nicolas Seydoux, président de Gaumont, mais aussi frère de Michel Seydoux, qui est lui le président du club de foot de Lille, le LOSC, donc une sacrée famille. Autre famille, les Drucker. Il y avait parmi les réponses Léa Drucker. Donc Léa, c'est la fille de Jacques Drucker. C'est le médecin de la famille Drucker. C'est donc la nièce de Michel, l'animateur. Autre réponse, Marie-Lou Berry. C'est la fille de Josiane Balasco et c'est également la nièce de Richard Berry. Enfin, Laura Smet, quelle filiation avec deux grandes icônes, deux grandes stars, Nathalie Baye et Johnny Hallyday. Léa Seydoux, 83% de bonnes réponses et bravo, bravo décidément à Polymath qui fait un sans faute et un carton dans ce deuxième quiz. Il a été le plus rapide donc parmi les 83% de votants qui ont trouvé la bonne réponse. La question 4. Quel est le prix mensuel pour la première année de l'abonnement UGC illimité pour une personne? Si vous allez au cinéma souvent, si vous avez un pass cinéma, ça vous concerne. 15,90€ par mois, 17,90€, 19,90€ ou 24,90€. Je vous laisse voter pour cette quatrième question.
Eh bien, ça coûte, vous le savez sans doute peut-être, 19,90 € donc par mois la première année, puis ensuite 21,90 €. Et en 2000, donc bien avant l'arrivée des téléphones mobiles et de l'Internet dans nos foyers, UGC était le premier en France à proposer un service d'abonnement illimité en échange du paiement d'un forfait mensuel fixe. L'offre permettait également d'accéder au cinéma MK2 et au cinéma indépendant avec d'autres enseignes, notamment la marque Gaumont, ont suivi ce mouvement donc des passes d'abonnement qui permettent de fidéliser, donc de réaliser un chiffre d'affaires fixe pour les salles de cinéma. Alors 53% seulement de bonnes réponses, plusieurs personnes, même un quart, ont pensé qu'il s'agissait de 15,90 €, c'était donc bien la première année, 19,90 € pour le pass illimité chez UGC. Et bravo à Victoria, c'est elle qui a été la plus rapide cette fois-ci sur cette question numéro 4. La question numéro 5, c'est tout de suite dans cette deuxième manche. Quel pays produit le plus grand nombre de films au monde? S'agit-il de l'Inde, du Nigeria, des États-Unis ou de la France? Combien donc, plutôt quel est le pays qui produit le plus grand nombre de films au monde? Inde, Nigeria, États-Unis ou France? La bonne réponse, c'est l'Inde. Voilà, ça apparaît sur votre écran à l'instant. Et c'est bien sûr le célèbre site, la ville du cinéma en Inde, c'est Bollywood, premier marché de production du film mondial, avec une moyenne de 2000 longs métrages chaque année, contre 500 seulement, si on peut dire, pour les États-Unis. Alors, le modèle des films est très différent en Inde, puisqu'ils sont généralement plus longs, minimum 2 à 3 heures. Oui, c'est long, un film indien. Il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de danse et des sujets récurrents, donc liés à la tradition, à la romance, à l'action et à la rivalité. Donc, 2000 productions en moyenne par an, c'est donc 4 fois plus que les Américains, qui sont pourtant les premiers diffuseurs en nombre d'entrées au niveau mondial, bien sûr. Et là, Polymath s'est rattrapé une nouvelle fois. C'est lui ou elle, je pense que c'est lui, mais je ne suis pas sûr, qui est le plus rapide sur cette cinquième question. Vous avez été 76% à trouver la bonne réponse et 14% avaient opté pour le Nigeria, qui fait beaucoup de films, mais évidemment, on est loin quand même des scores et de la production du cinéma indien avec Bollywood. On passe, si vous le voulez bien, à la sixième question de cette deuxième manche. On vient en France avec le box-office 2017. Quel film a réalisé le plus grand nombre d'entrées donc l'année dernière en France? Donc quel film, pas seulement les Français, hein, tous les films. Moi, Moche et Méchant 3, Red Dingue, Star Wars 8 ou Fast and Furious, et également le 8e opus. Quel est le film qui a réalisé le plus grand nombre d'entrées en France en 2017? Eh bien, c'était donc une production américaine, c'est un film d'animation, Moi, Moche et Méchant, numéro 3, qui a fait précisément 5 737 949 entrées, qui devance donc Star Wars 8, Les Derniers Jedi, mais aussi Red Dingue, le premier film français en termes de fréquentation, on en parlait il y a quelques instants. Et ce film donc a été créé, Moi, Moche et Méchant 3, en grande partie en France, mais c'est une production américaine, puisque ce sont les studios Universal qui étaient les producteurs de ce film d'animation. On regarde également les résultats de cette sixième et avant-dernière question. Bravo à DAF37, c'est le plus rapide. Vous avez été, alors là c'est une vraie surprise, 15% seulement à bien répondre, je dis bien 15%, et 51% donc ont voté pour le dernier opus de Star Wars, 14% pour Fast and Furious, c'est 20% pour Red Dingue, la comédie de Danny Boone, donc 85% de mauvaises réponses. On félicite donc d'autant plus DAF37 pour cette réponse rapide à la question 6. On termine, si vous êtes prêts, par la question numéro 7. Un chiffre, combien de films sont sortis en France en salle en 2017? 393, 493, 593 ou 693? Je vous laisse voter sur cette dernière question. La bonne réponse, elle apparaît à l'instant. Il s'agit de 693, c'était la proposition la plus élevée. Alors, quelques chiffres donc en 2017 en France. Sachez que 7899 films ont été projetés, dont ces 693 films inédits. Les nouveaux films, ce sont essentiellement des drames, 215 drames, 120 documentaires, 89 comédies seulement, on pensait qu'il y en aurait plus, et 36 films d'animation. Autre chiffre pour conclure ce quiz, en moyenne, un film inédit sort dans 145 établissements. Quelques
quelques précisions tout de même sur le nombre d'entrées également en 2017. C'est en Chine qu'on va le plus au cinéma, c'est normal, il y a beaucoup de monde, suivi des États-Unis, de la Russie et de la France. Donc la France, quatrième pays en nombre d'entrées dans les salles de cinéma. C'est une spécificité et c'est tant mieux, ça marche très bien le cinéma en France. Voilà la fin de ce quiz numéro 2 de cette deuxième manche. Je découvre en même temps que vous sur ma tablette... Il y a un seul sans faute, bravo, c'est Seb03 qui donc fait un sans faute sur ce quiz, on le félicite, il termine donc en tête du classement, devant Polymath qui a été le plus rapide sur de nombreuses réponses. Bravo également à Pierre-Alexis, à Dave37, à Philippe, à Grégory, à Ginger, à Gigi et à Christine, mais aussi à Descanic, tous les 10, donc vous remportez à l'instant la somme de 50 euros. Ce soir, entre 19h et 19h30 à peu près, vous avez donc été 20 gagnants à 50 euros. Nous venons de mettre en jeu et vous venez de gagner 1000 euros. Et c'est comme ça tous les jours sur BFM Business à 14h. Demain, vous retrouverez Guillaume Paul et à 19h, je vous retrouverai pour une thématique qu'on vous dévoilera demain soir, donc pour trouver les bonnes réponses à ces quiz sur l'économie. Il est précisément 19h32, fin de ce quiz. Merci de nous avoir suivi dans un instant ces PME Stories avec Linda Labidi, puis à 20h bien sûr l'excellent Sébastien Coinon dans Tech & Co. Très bonne soirée et à demain sur BFM Business. Pour défier la rédaction de BFM Business sur des questions d'économie, téléchargez l'application BFM Business. Inscrivez-vous à Business Quiz pour jouer en direct depuis votre mobile. Prochaine partie, demain à 14h. 1,09€ la partie, règlement et modalités de remboursement sur bfmbusiness.com.